Test 1-2, 1-2. Test mic. Je sais pas pourquoi je sens que je vais regretter cette vidéo. Ouais, je sais pas. Peut-être un élan de courage, ou bien inconscience. Ou peut-être un petit peu des deux. C'est pour détendre un petit peu l'ambiance. Et bienvenue aujourd'hui sur Pacify. Lâche un like pour le soutien. On sait pas ce qui peut m'arriver dans cette baraque. Une porte verrouillée nécessite clé principale. Je vais pas vous mytho. J'ai déjà fait une partie. D'ailleurs, j'ai pas assumé. Laisse tomber. Et là, je sais pas ce qui m'a pris de le lancer tout seul. Je vais encore une fois pas assumer. On n'a pas fini le jeu. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Déjà, je dois rentrer par cette cave. Voilà, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. J'ai tout fait en décalé. Donc le but va être de déambuler à travers les pièces de ce manoir, de cette grande demeure. Et bien sûr, comme tous ces styles de jeu, vous vous doutez bien qu'on n'est pas seul. Alors on a des poupées comme ça. Vous voyez, là ici il y a une poupée. Par exemple, celle-ci je la ramasse. Donc en haut à droite, vous voyez qu'il y a 9 poupées à ramasser. Et en haut à gauche, j'ai ramassé du bois. Bon, il y a ma caméra derrière, vous voyez peut-être pas forcément. Mais j'ai ramassé du bois. Le but va être de brûler 9 poupées pour détruire le démon. Le truc, c'est que plus tu brûles de poupées, plus le démon se met en colère. Donc celles que je viens de ramasser, c'est des poupées à brûler pour détruire le démon. Et il y a des poupées à ramasser pour calmer le démon. Mais qu'est-ce qui m'a pris de lancer ce jeu tout seul? Cette porte est verrouillée. Donc on a des petites notes un petit peu qui nous racontent l'histoire. J'ai essayé de la sauver mais j'ai échoué, j'abandonne. Je jure de ramener Gretchen, mais je crains que la petite fille ne soit perdue à jamais. Vilta Leder, elle veut jouer. Donc nous parlons ici d'un démon. Ouais, bien écoutez, c'est parti. Donc il y a plusieurs étages. Bon. Bonsoir. Oh, il y a déjà une porte qui s'ouvre. Je vous assure qu'elle fout les boules. Mais c'est un truc de fou. Mais pourquoi je joue à ça tout seul moi? Pourquoi je... Voilà, donne-moi ça. Ça, c'est pour calmer le démon. Non? Attendez, j'ai fait quoi? Ah! Oh! Voilà, elle est là. Elle est là, elle est gentille. Au début, elle est gentille. Parce qu'elle veut sa poupée, en fait. Tu vois? Mais cours! Est-ce que tu peux te calmer, s'il te plaît? Attends. Ah oui, il y a des poupées qui courent aussi. J'ai oublié de vous... Non, je vais pas assumer. Voilà, tu te calmes. Je te donne ta poupée. Tiens, voilà. Voilà, elle a une poupée, elle est calmée. Allez, on se casse. Le truc, c'est que si t'as pas de poupée dans les mains, c'est mort, mon gars. T'as intérêt d'avoir une poupée dans les mains. Alors, il y a des clés à ramasser. Clé du vestibule. Ok. Ok, let's go. Nécessité. Clé de la chambre. Allez, mon gars. On va se faire ça en mode speedrun. Des allumettes. Yes! Ça va nous servir à allumer la chaudière, en fait, pour faire cramer les poupées. Pour détruire le démon. Petite, petite, petite! Petit. Où est-ce que tu te caches? Alors, je vais essayer de me rassurer comme je peux. Je vous assure que je stresse un truc de ouf. Clé de la chambre! Il faut que je trouve la clé de la cave. Alors, attendez, je vais aller au grenier. Oh putain, mon vieux, je me fais peur tout seul. Je te jure que... Oui. Voilà! Ouais, ça... Voilà, ok. Donc, j'aime bien quand j'ai des poupées comme ça dans les mains parce que je sais que je crains rien. Le truc, c'est que je peux les ramasser que, tu vois, bon, je saurais qu'il y en a une dans les chiottes. Le truc, c'est que je peux en avoir qu'une sur moi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai la... Allô? Je vous jure la vérité, je vais pas assumer. Alors je vais pas vous mytho, mais quand on a fait la partie avec Sofiane, ben ça faisait moins peur que ça bizarrement. Donc très certainement parce qu'on était deux, tu vois. Le truc c'est que là je me retrouve tout seul. Ok, ok. Et, oh putain, j'ai trop cru qu'elle était là. Étage grenier, yes. Allez vas-y, dis-moi que il faut que je trouve la clé de la cave. Du bois, j'en ai déjà sur moi, j'ai du bois, j'ai des allumettes. Alors bien sûr, à chaque partie, les clés sont placées de manière aléatoire. Les poupées également, ce serait bien trop simple, vous imaginez. Ouh, tu te calmes. Tu te calmes, ma fille. Tu te calmes tout de suite. Écoutez, c'est pas un démon qui va me foutre les poules, mon vieux. J'ai vu tous les épisodes de Gus des X. Ça va pas me faire chier, non? Ouah. Bonjour! Bonsoir! Ouh! Elle va me niquer. Pardon, excusez-moi. Je vais très certainement vous péter les oreilles 2-3 fois. Le truc qui stresse, c'est que c'est elle qui ouvre les portes là, tu vois. Tu l'entends? Bonsoir! Je me présente. Je m'appelle Jolotte. Je suis chasseur de démons. Putain, mon vieux, je vais y faire le coup des pétards à l'eau bénite. Elle va rien comprendre, quoi! J'ai vu ça dans un épisode de Chasseur de fantômes. Je vous jure, ça marche. Tu prends un pétard, tu le mouilles un peu dans l'eau bénite. Et tu lui jettes à la gueule, mon vieux. Chut, chut, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Dis-moi pas. Elle ouvre les portes. Il faut que je trouve la clé de la cave. Très important. Bah des rétros. Est-ce que je vous ai déjà raconté la fois où je... Ouh. Une clé. Clé du grenier. On retourne au grenier. Je vous ai déjà raconté la fois où je suis parti en urbex avec des potes. À cette époque là j'avais pas de caméra.
On a été visiter un espèce de village fantôme. On était parti pour chasser de la Dame Blanche, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je m'en souviens, mon vieux, jour-là, on était trois, je crois. On était dans un petit village fantôme complètement abandonné. Comment qu'on s'était foutu les boules? On n'a pas croisé une Dame Blanche, mon vieux. Pas une. Je vous raconte des petites histoires, comme ça, j'essaye de me rassurer comme je peux! Putain, voilà. Ça, c'est les poupées que je dois cramer. Le truc, c'est qu'ils vont se mettre à courir partout dans la baraque. Where is the key of the cave? Ok. Si j'arrive à pécho une poupée et que je la brûle, le démon va s'agacer, mon vieux. Et plus tu vas cramer de poupées, plus il va s'agacer. La cave, la cave, la cave. Oh putain. Refais-moi pas des coups comme ça, s'il te plaît. Ok, le fourneau. J'y suis. Ok, 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 ok. Je mets du bois. Je mets des allumettes. Et maintenant, il me faut une poupée. Tu vas arrêter de courir partout, ma cocotte? Viens voir tonton Jolotte. Le truc, c'est que j'adore ces jeux, franchement. J'adore me foutre les boules et tout. Mais en même temps, je déteste tellement à la fois. D'un côté, il y a mon petit cœur qui me dit non. Et d'un autre côté, il y a mon démon qui me dit oui. Donc maintenant, je viens en paix. Je vais monter. Je vais allumer mon K2000. Saloperie! Je l'ai. Ah! Je suis mort! Je suis mort! Ah! Excusez-moi. Écoutez, je peux pas en rester là. Mon Dieu, doux Jésus, Sainte Marie-Thérèse, protège-moi de ce démon! Oh, c'est la clé de quoi, ça? Clé du vestibule. Ouais, 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 pourquoi pas? Ok, d'accord, j'y suis dans le vestibule. Ça, c'est la clé de quoi? Clé de la chambre, d'accord. Petite coquine, où est-ce que tu te caches? Mais où est-ce que je suis? On se croirait pas un petit peu dans Resident Evil, mon gars? Ça fait pas ambiance à la Resident Evil, quoi? Elle est où la porte? Elle est où la porte? Oh, d'où Jésus, Sainte Marie, Mère de Dieu. Vas-y, sortez de là, sortez de là, sortez de là, sortez de là, là, sortez de là. Donne-moi la clé de la cave maintenant, là. Vas-y, j'ai la clé de la cave, j'ai du bois, j'ai pas d'allumettes. Vas-y, toi, viens là, je la pécho. Ok, par contre, du coup, là, j'ai une poupée qui me protège pas, tu vois. Mais je peux aller la cramer. Le truc, c'est que les poupées qui me protègent du démon, ben, ils servent qu'à protéger du démon, en fait. Ça te fait pas avancer, tu peux pas les cramer, quoi. Et les poupées que tu fais cramer, bah ils te protègent de que dalle. Allez, brûle en enfer. Ok. Elle est pas contente, mon gars. Il reste 8 poupées, il reste 8 poupées. Il y avait une poupée, il me faut une poupée qui me protège maintenant. Ouh, il y en a une là. Vas-y, viens là. C'est bon, c'est bon, c'est bon, je suis tranquille, je suis tranquille. Allez, oh. J'ai entendu. Je suis tranquille, tu vois, oh putain. Je suis tranquille, oui, oui, non, quoi. Tu vois. Plus non que oui, d'ailleurs, en fait. Je suis sûr qu'il y en a encore une au grenier. Je m'en fous, j'ai une poupée. Tiens, j'ai une poupée, voilà. Des fois, je gueule pour rien, mais tu vois. C'est l'émotion, c'est l'émotion. Viens là, je la crame. Celle-là, on descend à la cave. Vite, 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 vite. Elle est où, cette cave, bordel de merde? Elle est là. Allez, brûle. Ok. Il en reste combien? Il en reste 7. Je me casse. Ouah, je me casse, mon gars. Elle me rattrape ou pas, là? Je veux pas le savoir, je suis coincé. Merde, 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 je suis au grenier. Du bois. Yes, allez, vas-y, putain, elle va encore s'énerver, mon gars. Allez, brûle. Brûle en enfer, il reste 6 poupées. Oui, 6 poupées, ça va, tranquille. Easy win. Easy. J'ai une poupée. J'ai une poupée, mon gars, tu peux rien faire. Y'a pas une autre petite poupée? Putain, si on avait une à la cave, ça m'arrangerait, tu vois. Attendez, déjà, faut que je trouve du bois. Oh, y'a du bois, yes. Oh, c'est quoi cette pièce? Ah bah ok, d'accord, ouais, c'est la cuisine. Oh yes, il y en a une ici. Allez, allez, allez. Oh, il y en a une autre là. Ok, d'accord. Ce qu'il y a, c'est que là, je suis plus safe, tu vois. Je suis plus safe du tout. Putain, elle est où cette porte? Je suis perdu dans la cave, je vous jure. Ok, c'est là. Allez, brûle. Attendez, il y en a une autre. Il y en a une autre, il y en a une autre. 5 poupées. Il y en a une autre, je sais plus où elle est. Je l'ai vue dans la cave. Elle était par là. Putain, mais où est-ce que tu te caches, connasse, quoi? Je suis pas safe, là. Déconne pas, là. Y'avait pas une poupée, ici? Putain, j'ai trop cru, quoi. Oh, j'ai entendu courir, là. Oh, yes. Ouh. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis tranquille. Viens ici. Voilà, c'est bon. Connasse, va! Je suis désolé, je vous ai sûrement pété les oreilles, quoi, à quelques reprises. À toutes les reprises, en fait. Ouais, vas-y, c'est ça. Ouais, vas-y, fais la maline. Fais la maline, c'est pas grave. On va se revoir, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. T'as cru que moi, t'allais me la faire à moi? Elle m'a pris pour un bleu. Bon, écoutez, les mecs, moi, je vous laisse sur cette fin. Je vais aller me reposer tranquille. Je vais essayer d'aller me remettre tout doucement. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao tout le monde! Bye! Lâche un like pour la prestation, quand même.